Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Journal tout le pays à Grand Boulevard Mondial lancé sous Caraïbe FM, dans tête Rouge Havane, dans Port-au-Prince, dans tout l'humain, 94.5 FM, les fait 7 avec 22 minutes dans le matin. Kidnapping, encore, kidnapping, toujours PRR. Oui, mais ces situations d'insécurité qui, de manière générale, préoccupaient Haïtiens, proté plusieurs mouns te défilé à Yemadia, dans le local réseau national, cap défendre droit moun yo pour Alcien, dans le cahier sympathie victime, zak insécurité, dans le pays, à yon initiative, signataire accord, Montana, yo vise dénoncer autorité concernée, yo, qui pas posé aucune action face à climat insécurité pays à cap fin détérioré si la yo qui était passé si un document ça a montré yo préoccupé par rapport à Zak sans pareil bandi yo qui chaque jour paraît pi criminel. Oui, tout à l'heure on va venir avec reportage Jean-Paul lundi mais yon ka ensemble avec nous là madame qui gagnait un jeune garçon petit li que bandi kidnappé li passé là pour capable adresser là à monsieur yo. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est un petit mon premier petit moi depuis jeudi. Il était sorti là quand moi passé ouais après ça dans l'île. Semblait qu'il t'a passé chercher un ami dans zone canapé vert et puis tout pour aller. Depuis jeudi, pas de jambe qu'attendre. Il a réussi fait reler. Avant hier, il relait ça me tendait, il vient faire me malade, me connaît ces petites moi pas jeune. C'est pour me capable jeune petite moi qui cause, yo mandé me cop, yo mandé me non parce que mm-hmm. Déjà connaît me pas ca joindre ni. Mm-hmm. C'est misère me passé, ces petites là qui tête famille, c'est premier petite moi et dans l'école, l'état, dans lycée avant vienne arriver. Fini pour en pile temps en 20 juin si travail c'est lui qui tout bail il capé l'école pour pipiti moi même son monde malade moi et mes papa couche en côté semblait ça qu'a fait me gain plusieurs cas ensemble parce que papa pas bon dit tout c'est si photo lui et pas gain l'autre moyen me ca fait c'est seul petit là qui toute tête fermée après bon Dieu dans ciel là m'a demandé une chance si on ca font bagaille pour moi parce que déjà connais vraiment pas ca jouer comme ça malgré si m'ta ravitaise m'ta demandé dans toute pays pour m'ta joindre moi pas capable donc demande 1 million de dollars c'est ça m'ta couper pas capable c'est premier petit moi. Comment elle est, madame? Même si ça y est, Béra Lefouane. Même si ça y est, tout petit petit, c'est lui qui a perdu ma avec eux parce qu'elle n'est pas capable. Même si on fait commerce, elle n'est pas capable encore. Commerce la fini. C'est chita, m'chita, n'a pas ces petites là qui tout souffre. Moi, c'est lui qui tout la vie. Nous, après, bon Dieu. M'ba capable. Premier petit garçon? Premier petit garçon. Ok. Ou dit son ami que le tapal. Oui, on zami, fili tap passé chercher notre travail pour lui même là il a caillé. Ou pas qu'on dans qui zone yo kidnappé? Zone canapé vert aussi. Il y a une jeune machine là, machine arrêtée. Le campé machine là. Oui. Il était gamon avec dans machine là. Non, pas gamon, il pas arrivé jeune zami d'après chercher. Je dis a fait combien de jours? Je dis a fait 7 jours depuis jeudi. Oui, 7 jours. Qui dernière fois que vous parliez avec elle pendant 7 jours ça? Seule fois où tu fais le relais pour te faire un bilan après ça, je m'attendais. Il n'y a pas de l'autre monde proche qui le relais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou bien, attendez, c'est 5 millions de dollars? Non, 1 million. 1 million. 1 million. Ah oui. Quelle activité tu as gagné auparavant? Le fini l'école, il est allé dans linguistique. Après ça, il vient là pour travailler au côté. Tu dégagé? Tu dégagé même. Parce que je travaille là, tu es soudé. Ok.
Eh bien, ok, on nous adresse à monsieur qui Kimbelio, monsieur dame, yo, pour demander aux gens pour permettre aux jeunes petits tôt, madame. Eh bien, ça me t'a dit, monsieur, je me senti ces petites moi et tout, je me dis qu'à maman, yo, qu'à faire grâce, petit garçon, non, mais nous protéger pour moi. C'est la vie de son petit qui sage. Nous supportons pour moi. Ma pas vite pour nous connaît ça pour me faire. Ma connaît ça pour me faire. Me senti ces frères nous qui n'en mais nous. Merci. Ma Souffle couvé. Oui. Souffle couvé. Situation insécurité pays à pas qu'on a joué aujourd'hui intolérable d'après ancien sénateur Yuri La Tortue. L'État qui n'a pas posé aucune action pour combattre Zak Bandiyo paraît complice d'après ancien sénateur pays a besoin d'un autre leadership pour résoudre des problèmes insécurité d'après dirigeant politique qui exigeait présence policier dans local tout neuf commissariat Ponsondé dans l'Artibonite sa KPD combattre Zak Bandiyo d'après Yuri La Tortue qui était dans le micro, Lydie Alexandre. Je crois que la situation qui est dans le pays qui fait que peine chita pour accepter le principe médiation, c'est parce que comme responsable hommes et femmes d'État, nous pensons que la situation est extrêmement grave. La situation est dégénérée dans ce qui est passé là. D'ailleurs, dans peine, nous avons toujours dit que c'était le banditisme d'État. Et ce que nous avons dit, douane. L'État a utilisé pour le faire ZAM rentrer pour bandir. Et immédiatement, la communauté internationale a été fixée que ça a passé dans le douane. Il y a un changement qui fait et puis nous découvrons tout l'obéir. D'ailleurs, ça nous est, c'est que le gouvernement a dit chat n'est pas entré dans la machine, le conteneur n'est pas entré dans la province. Là, nous gardons nous est port de paix. C'est justement là tout ça a continué à rentrer. C'est quand vous êtes en ville à part, alors que vous avez dit c'est Port-au-Prince avec Cap. Et puis nous est ZAM a rentré, que ce soit port de paix. Qui va autoriser à entrer, que ce soit Port-au-Prince, côté conteneur, à rentrer des armes. Et même l'État, ça a, qui a une recommandation de Sénat en 2020, une recommandation de défaite, pour te mettre un petit lot dans la franchise, nous, on ne va mettre aucun lot, n'importe qui est-ce qu'à utiliser, et puis, ZAM à rentrer, et ZAM, ça a, chaque coup conteneur, au final, regarder dans la rue, où est bataille qui a fait, puisque l'alimentement dit, cartouche, ZAM, malgré Yapkembe, nous, c'est peut-être le dixième qui est Yapkembe. Mais tout passé, puisque nous, dans la cité Soleil, bataille, plus de 300 morts et blessés dans la cité. Comment que pour nous tolérer que nous avons mouru comme ça dans le pays? Comment pour l'État pas dire rien? D'ailleurs, pas de dire rien, j'ai envie de dire. C'est parce qu'ils sont complices dans la question des amis. La Tibonite, côté que tu as gagné, eh bien, en certaines paix, immédiatement, le groupe reprend, il dit alimenter, les amis rentrent, cartouches. Et nous avons un spectacle hideux que député Aoud dans ce palais, quand un jeune garçon, professeur à l'école, a marché et a tiré monsieur. Et comme si rien n'était, et après, on a lâché. Parce que ZAM rentré, cartouche rentré. Donc, mes situations qui ont déroulé sous yeux, et c'est peut-être ça nous dit, il n'y a pas qu'à attendre. Il faut que le palais accouche justement de en gouvernance qui permette que l'État coupe fâché avec Bandiyo. Il faut que le fait. Parce que. Non seulement l'État associé à Bandiyo, mais ça nous rend dans l'État. Moi, j'entends que les policiers n'ont pas gagné boulet pouf, gilet pas balle, pour y aller dans l'opération. Ils sont obligés de faire l'opération l'un après l'autre, alors que les gars font plusieurs opérations. Pendant ce temps, même le ministère intérieur, qui est dans le CSPN, il a débloqué 25 millions de gouttes pour des fausses organisations. 25 millions de gouttes, là, ça a 300 bons gilets pas balle. Pour les policiers, ils ont mené l'opération. Alors que, ils ont fait 25 millions de gouttes là pour des fausses organisations. D'ailleurs, moi, dis-le déjà. Pour le moment, pas de casette, non, pas de merde, non. Pour le moment, c'est agent exécutif intérimaire. Si on dit c'est des. Après ce côté, c'est des anciens casettes. Mais si c'est qu'on y a, tout le monde, d'après décret qui est sorti juillet 2020, c'est agent exécutif intérimaire. Comment faire d'être gaspiller comme. Ou l'État, qui a gaspillé comme qui va renforcer la police, qui ouvre douane pour que les armes à cartouches qui rentrent, mais résultat, que Ariel bat nous pendant un an. Puisque 20 juillet, pour le faire, Ariel, un an. Et c'est dans le cadre ça nous dit que il y a deux bagages. Pas qu'il dit la 3 dans la question parler parce que pas fait dit la 3 et moi pense que nous besoin on l'autre leadership dans tête l'état ça c'est premier bagaille qui pour commencer pour nous combattre l'insécurité à on l'autre leadership ou pas qu'à essayer à mener une équipe à la victoire alors que équipe ça c'est perdu tout la perdu avec les mêmes joueurs donc moi crois que
il faut un autre leadership. Et moi, je pense tout que la police là, il y a certains côtés, il y a certains efforts qu'il faut faire. Quand la Tibonite, il y a un commissariat tout neuf qui n'a qu'à faire pour sonder, il faut que vous mettez les policiers là-dedans. Il faut que vous voyez justement pour blender. Et ça renforce la population parce que je dis à la population, pareil, pour accompagner la police pour résoudre le problème. Donc, en même temps, qu'il y a un leadership, nous demandons à la police, il y a des efforts qu'elle doit faire parce que la population n'a pas qu'à tendre. Parce que la population a mouru. Et non seulement, il y a une question de sécurité, pas besoin de parler de la vie chère. Par contre, on passe pour prier aux mêmes gens. Je vais parler de Goudla, Cap de Vie. Pas grand rien que le gouvernement fait dans la question ça. Et bien, chaque jour, vous entendez. Mais c'est normal que Goudla monte. Là, on prend 25 millions de Goudla pour débloquer Goudla dans l'État. C'est le principe économique là. Tout le temps, il y a plus Goudla. Et bien, dollar vira. Et bien, il monte. C'est l'État qui a gaspillé. Donc, nous avons l'État qui mérite de changer parce que financièrement, hein, politiquement, socialement, tout attache l'État ça, c'est encourager Badio. Et nous-mêmes, peine nous dit non à question ça. Nous dit oui pour le principe de négociation, mais pas de dilatoire pour le changement de leadership. Et en même temps, nous dit la police là, ce précole, parce que faut gagner effort qui fait. Quand même, l'État paye 13 000 policiers. Et je pense que il y a des bails qui fait pour éviter que des gens qui tombent, j'en ai dit, ouais, ils tombent. Ancien député circonscription Serka Cavajal Soubopal qui fait partie du comité accord Pen Montana modifié qui t'a pas discuté avec la déclaration avec délégation accord 11 septembre n'a révélé ni premier ministre Ariel Henry ni membre délégation yo pas gain aucune volonté pour joindre une solution dans crise politique là. Comité accord Pen Montana continue exiger formation exécutif bicéphale pour diriger transition alors que membre accord 11 septembre yo fait connaître un gouvernement bicéphale pas une priorité pour yo selon Antoine Rodon bien-aimé pas gain aucun espoir pour gagner une solution avec équipe Ariel Henry en côté la micro Wenchaladri. Étant donné que nous autres respect nous gagne pour peuple haïtien en dépit de grief que nous gagne contre lui nous accepter alchita avec lui pour nous finir une solution pour nous sauver sa ca sauver nous constater ces monde qui mourir c'est kidnapping c'est massacre c'est mauvaise gouvernance c'est grand goût c'est misère c'est chômage il y a un gouvernement à qui on premier qui pas gagne ni mission ni mandat. Après un an, il n'y a pas de pièce bilan. Nous achetons avec lui pour nous garder comment il y a un exécutif bicéphale dans ce pays. Mais malheureusement, nous ne croyons pas que c'est ça qui interpelle. Et garder pour voir comment il a fait l'un. Comme il a mené 8 à 0, on est parce que dans le mois d'octobre qui passe, il y a eu 0 ou bien 5-0. Jodia, peut-être il y a 8 à 0 sur le peuple, sur le pays. Je pense que il continue à faire l'un. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire, rencontrer, il y a fait des vrais. Mais jusqu'à présent, pour qu'il y ait rien. En termes de solutions, en termes de lieux d'espoir, il l'a pour payer et pour faire haïtien parce que pour mon yo, j'aime d'abgarder yo, c'est de moun, pour yo même tout bagay yo a bien marché. Tout bagay yo a pralé à bon port. Tout bagay yo a fait bien. Et peuple ça a bien mené, c'est ça moi dans le visage yo, c'est ça moi dans le discours yo dans le verbe yo. Dans ce sens, nous croyons, nous-mêmes, en tant que militants politiques et avant-gardistes politiques, nous croyons, c'est mobiliser pour peuple à continuer à mobiliser. C'est mobilisation qui est capable d'aider, de mettre pression pour nous capables de jouer une solution pour forcer Yoshida, pour nous jouer une solution tout bon. Solution consensuelle côté abo exécutif bicéphale, j'ai qui n'a pas le depuis longtemps, qui installe dans notre pays, qui cap vient adresser les vrais problèmes et cap mettre à l'écoute et au service pour résoudre le problème des paysans. C'est ça qui n'a pas le ici dans le malheureusement, il y a beaucoup de raisons, j'aime prendre conscience pour rendre compte que vous avez responsabilité pour créer conditions dans le pays pour gagner sécurité, pour gagner stabilité politique, pour combattre mauvaise question mauvaise gouvernance et pour combattre question corruption, pour combattre question grand goût, misère, chômage, la vie chère qui gagne dans le pays. Mais, et là, il faut que j'aime comprendre que le problème est dépassé, il doit râler le coyo, il doit faire place à l'autre monde qui est capable, qui a une volonté, il ne fait pas ici depuis un an, ça, en otage parce que le pays a assiégé par des gangs, Port-au-Prince a assiégé, tout le monde peur, la journée qu'on a mis tout le monde peur, la caille comme dans la roue peur. Ça veut dire gouvernement ça pas gagné de bon et le voter pour peuple haïtien. Ariel Henry te gagne un an pour le faire dialogue, un an pour le mettre sécurité, un an pour le organiser élection. Malheureusement, l'idée de la communauté internationale là, dans 6 à 7 mois, t'as réalisé l'élection. Jusqu'on a même le EA, l'IPOCO. Manyen, li poko écrit, li poko réfléchi sou li. Allez ouais, pour ta faire lecture. Dans ce ça, nous croyons que c'est dans visible premier ministre à continuer passer peuple haïtien. La continuer visible la communauté internationale qui demande là. Moi crois que peuple haïtien doit réveiller yo bay équipe ça mon pièce li. Dans ce ça, pas croire que li konde qui ça va parler parce que je dis question sécurité c'est zéro, question planifier élection c'est zéro sur toute la ligne. Li prouve qu'elle pas gagne ni mandat, ni mission, ni bilan. Yo premier ministre après n'a pas gagne ni mandat, ni mission, ni bilan. M'pas
quoi qu'il a continué à parler des questions élections de l'année de sécurité. C'est plié pour le t'a plié barrage, pour le t'a dit que il voulait sortir d'une façon honorable, il retire l'école, il démissionnait parce qu'il représente un fantôme devant les Parisiens qui bloquait le Kibari, qui empêchait la porte. C'est pas Ariel personnellement, non? Moun qui avait l'yo, moun qui n'a quoi avec l'yo, y'en a un parle avec eux, y'a dit que c'est blanc qui va parler. Alors, m'pas qu'on est de qui blanc à parler. Je dis à ceux qui sont des problèmes Haïti, problèmes de Haïti, ceux qui sont des constitutions, nous dit qu'ils vont appliquer dans l'esprit. Nous croyons que, international là, blanc yo, des moun qui respectent la loi, qui respectent les principes. M'plus croyons que c'est bon côté yo, qui y'en a des moun qui va t'avoir perdu. Avantage qui y'a gagné, privilège qui y'a gagné, je dis à travers les ministères et autres qui a tenté créer diversion ça. Mais nous croyons que nous disons que c'est pas vrai, et c'est pas vraiment vrai. Nous souhaitons qu'il y ait de bonnes volontés et de bonne foi, puis aussi tard, pour négocier pour l'exécutif bicéphale à l'Ipran forme, qu'il a de prendre, et pour installer le plus rapide possible dans ce pays. Toujours ma qualité politique là, président élu Akor Montana dit préoccupé en pile face à crise politique plusieurs dimensions, insécurité, kidnapping, la vie chère pays a fait face depuis quelques temps. Économiste Fritz Alphonse Jean condamné silence autorité face à bandit exam capsimé deux et demi temps population. Ancien gouverneur Banque Centrale l'a plaidé en faveur un consensus en tout secteur dans la vie nationale là. Seul moyen qui d'après la permette tout acteur Yoshita sur le même table pour y mettre d'accord sur une seule proposition sortie de crise. Économiste Fritz Alphonse Jean, ami co-original Rémi. Pays d'Haïti, nan yon kafou dangereux. C'est avec boulanger. N'a gade gol sa kap koule. N'a gade cadavre tout partout. N'a gade moun yap boule tout partout en la pays d'Haïti, particulièrement dans la zone de Port-au-Prince là. C'est avec un pile tristesse, n'a pouè yap kidnappé pren avec ce nom pour mettre yon en bas chaîne l'esclavage. De l'autre côté, c'est la guerre qui fait péter nan mitan population qui pi pauvre là, population qui pi vulnérable. Hier, c'était la pleine du cul de ça. Tout est que un pile moun pour quitter Kayo et un pile moun mourir tout. Je veux dire, parler devant le 18 juin, c'est la cité soleil. Selon RNDDH, il y a 89 personnes qui mourent, 74 personnes qui blessés. Et dans les gens qui mourent, il y a 21 qui boulent, qui carbonisent. Il y a plus que passé 16 personnes qui disparaissent, qui vont prendre côté que rien. Et il y a plus passé 127 cailles qui boulent et qui détruisent. Là, nous profiter, vous voyez condoléances, vous voyez sympathie, nous, bah, tout le monde qui est victime, particulièrement, si nous, avec femme, plus vulnérable. La situation, ça, n'a dit que le pays d'Haïti rivait en côté, dans la destruction, yon l'autre, et nous connaissons exactement côté que Jean de Barre et Sarah sorti. Nous connaissons jeune garçon avec jeune femme Sarah, ses âmes, yon mettait dans eux pour yon tout l'autre. Et ça a fait de telle sorte que il y a des gens qui ont profité de la situation, ça, non seulement dans le conseil de Vanzam, mais tout pour assurer l'enseignement du territoire en dans le pays d'Haïti. C'est vrai, la police là, il y a un pile de difficultés. C'est vrai, un pile de jeunes garçons avec jeunes femmes qui font partie de l'institution, ça, et démoralisent tout, la condition qui a travaillé là. Mais, justement, c'est pour bout d'institution qui était qui a travaillé. Il faut qu'il fait travailler avec plus de détermination. Et surtout, faut le faire travailler à tout niveau. Tout le monde en dans le pays d'Haïti constate que gros autobré en dans le pays d'Haïti fait pour nous retourner en passoire pour trafic ZAM avec trafic munitions, toute qualité. Et d'ailleurs, ça a passé dans la douane Port-au-Prince là. Ça a passé semaine dernière dans la douane Port-au-Père. Fait nous comprendre exactement qui ça a fait en dans le pays d'Haïti et qui ça continue à faire. Il faut que mesure que apprenons, mesure ça doit renforcer pour nous mettre code, pour nous mettre barrière par rapport à tout entrepreneur ça. Par rapport à tout fait ça, qui a psy Mendei en dans famille pays d'Haïti. La vie chère, raté carburant, tout change là, qui a galopé, rendre la vie citoyen en dans pays d'Haïti impossible, c'est aussi. Il faut que nous baillons pays d'Haïti dans l'autre direction. Et l'autre direction, ça, c'est à travers un bon consensus. Relation l'État avec les sociétaires, il faut que le changer. Il faut que nous changer comment on a fait business en dans pays. Il faut que nous garder comment on a pour fuir jeune garçon avec jeune femme, l'autre opportunité. Mais pour ça fait, il faut que nous chita ensemble pour nous garder comment nous prenons l'autre cap là, comment que nous changer. Et pour nous changer, il faut que nous fassions consensus entre nous. Et consensus ça, c'est lui qui pourra le permettre nous chita sur un gros table. Pour nous dire, mais comment nous tous nous d'accord, mais qui compréhension partagée que nous gagnons de ça nous supposer faire avec pays d'Haïti. Nous connaissons que côté que nous arrivons là, à cause de désordre qui a fait dans le pays, il y a fait nous-mêmes qui petite liberté, voulait passer comme des animaux sauvages à travers le monde. Mais c'est pas ça. Ça qui arrive, c'est que nous-mêmes, en d'un pays, nous supposons chiter ensemble. Chiter ensemble pour nous avoir un gros consensus. Et nous pensons. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé avec pays à qu'on y a là. Nous pensons que seule façon que nous avons fait ça, c'est que nous chiter autour d'une table pour nous avoir un gros consensus. Et consensus, ça,
Il supposait faire sans coquin, sans jouet en bataille. Consensus, ça, supposé faire à toute transparence pour nous gagner une feuille de route claire qui dit, mais qui ça que nous voulons avec le pays, mais comment que nous voulons organiser l'État, mais comment que nous voulons organiser l'élection en le pays, une élection qui claire, côté que nous avons circulé libre, sans qu'elle saute, et surtout, pour tout candidat qui fait campagne sans qu'elle saute. Tout ça fait, il faut que nous ayons l'autre environnement, et environnement ça, c'est un environnement de justice, un environnement de sécurité, mais surtout, un environnement qui a permis aux jeunes garçons avec jeunes femmes d'entrer dans le circuit pour qu'ils fassent richesse, pour qu'ils même tout, pour qu'ils subvenir à besoin de famille et permettre pays à venir plus riche. Seule façon pour nous arriver à un environnement ça, il faut que nous ayons en transition. Côté que toute bagaille définie clairement, sous question de justice, sous question de sécurité, et surtout, comment on appelle jeunes garçons avec jeunes femmes en d'un pays à créer richesse, puis qu'à subvenir à besoin de famille, et surtout, faire pays d'Haïti venir un pays plus riche. C'est pour ça qu'on dit, il faut que nous ayons en transition coupée fâchée. Pour maintenant, c'est qu'il a pas encore passé par ce problème, donc mon cas, c'est qu'il a passé par ce problème, il y a tout pour aller passer par les rêves. Les 25 devant ancien président Jovenel Moïse, et bien, qui a profité de la voie de celle-là, nous continuons à jeter de l'eau. M'acheter de l'eau, si ma chaîne commence à mettre à terre, même j'avais ma chaîne cocoyer, ma chaîne télé, ma chaîne colonie, si ma chaîne tout, même tout, ils commence à mettre à terre. On garde cette zone marché le colonie, jusqu'à la zone académie, il y a un cabaret privé, c'est un volet pour matin. Et bien, matin, on garde ce petit peignet gros, j'en mets vieux, comme petit pas déjà, parce que tant de soleil levé. Mais ça va empêcher quelques machines qui vont à suivre le fondation. On a qu'à l'académie, il y a quelques cabinets qui fait, donc l'académie a Cafou Fleurieux, il n'y a pas tant pile, il y a trois machines privées qui peuvent gratter trop son ça. De Cafou Fleurieux à Cafou Marassa, machine qui a sorti par des bouquets ont commencé à passer. Le matin, de Cafou Marassa à quoi des bouquets, circulation a commencé timidement dans le dépassé. Et plusieurs PF, AGBI, déjà dans la zone, sont capables d'accompagner la population. Mais c'est machine qui va mal passer. Mais ceux-là, nous même tout, c'est la commission, c'est ce qu'on aime bonheur. Pas parler de machine, aucune machine qui a assuré le sens de votre bouquet, l'autre, malpasse. Pas parler en pile de chauffeur, ça y est, de tête et historien, pour le quotidien, de vieux côté d'Athétien, de vieux côté d'Athétien, où je nous touche, qui tous les n'a fait quoi de bouquet. Mais, monde qui a passé pour matin dans un centre-ville, zone marché Salomon, zone Bonita, monde qui va l'acheter PVC, matériel toilette, et bien zone Bonita, zone relax, nous remarquer, et zone table bloquée, soit passé par ma grand-boise. Nous tombons bon relax, nous remarquons qu'on va pas être trop châtaillant. Nous voulons dire que nous sommes très prudents, mais nous ne savons pas exactement qui cause, qui fait zone ça a été bloquée pour matin. Zone bon relax, nous espérons que la police et Salomon après prendre pour la situation pour être capable de mettre l'autre dans des zones. Même quand on sortit dans notre sud capitale, là, quand on sortit dans l'organisation de l'homme qui doit être capable de passer ce problème, puisque Fontamara a déjà mis passage, mais tout le monde qui décide a déjà démarré en direction de ce problème pour matin. Mais grand dans tout, déjà préparé pour charger bon pire maquette là, tout le monde qui va l'entrer sur le capital là, c'est grand dans tout, il a préparé pour y amouffer pour aller les organes comment ça y est, plusieurs machines commencent à charger sans problème pour matériel en direction Fontamara Matissa, mais c'est quelques machines publiques, pas du tout machines privées, qui va faire où ça, dans notre capital là, au Canada, il y a plusieurs machines qui ont chargé avec ton route 9, mais depuis le film qui est fait, il y a toujours tant de conseils 4x4 là, veillez côté n'a pas bien. Numéro ça,
38 30 11 11 tout victime n'importe d'acte de violence ou n'importe forme au fil protection citoyen. Merci beaucoup, 4x4. Allez, bon mercredi. C'est toujours au nom de la puissance et de la miséricorde du Père, au nom de la sagesse et l'obéissance du Fils, au nom de la vertu et de la clairvoyance du Saint-Esprit. Mais on est réellement libre. L'entendez-nous dire plus rien. Oui, vraiment plus rien. Allez, 4x4. Mes amis auditeurs, jeudi, c'est mercredi. Nous déjà 20. Dans le mois de juillet, l'année 2022, nous rejoignons pour la livraison, troisième livraison Grand Boulevard Mondial là, pour semaine ça. Bienvenue à bord. Et en pile, Zamino, nous avons tribo babor. Fait nous connaître que vous recevez la radio à clé, coude le cocoyé. Et donc, en terre étrangère, donc c'est via Internet. Nous saluons internautes nous qui sont sur toutes les plateformes, qui ont fait voyager ça ensemble avec nous. Et nous saluons viewers nous, qui sont sur YouTube, Facebook. Ça fait nous un pile plaisir de nous connaître que vous avez fait voyager ça ensemble avec nous matin. Donc, matin, c'est mercredi, nous avons ça déjà 20 juillet 2022. Il y a un pile dans un club, dans Freeport, dans Long Island, qui dit nous, il attendait nous matin entre amis. Oh, donc c'est bien. À chaque fois nous chita ensemble, nous avons une occasion pour ne pas les pays entre nous, sans discussion qui est capable de mettre nous en colère l'une contre l'autre. Ben, depuis nous faisons le respect l'une pour l'autre, n'a pas les pays, c'est bien. Merci en pile, nous comptons apprendre ça. Merci Renaud Calvert qui s'y allume ça, ou l'ex Vériquin des Gressiers et qui fait comme ça, Madame Nicole Etea, Madame Bernard, professeur Ossé Volvic avec Madame Lee, Madame Germulet, Mico Levacheur, Madame Lee, ingénieur Eddy Leroy, ingénieur Marc Désulmé, et ensemble avec ingénieur nous, Charles Benoît, ensemble avec Sylvestre Renoir dans Creole TV. Probablement dans Creole TV, nous chita là. N'ap gade, n'ap tende. Eh bien, ça fait mon plaisir. Je suis content ça. Eh bien, nous allons déraper le journal là, matin. Mais on constate que nous devons partager avec nous, guerrier PRR. Et je parle avec 11 amis. Et pendant ce maintenant, et puis, et qui a expliqué nos difficultés. Bon. Est-ce que son nous carrer les difficultés, mais quand même son difficulté. Les nous connaît un jeune et qui a investi dans pays dans le pays d'Haïti et puis qui rivé acheter une machine de cal dans maison qu'acheter une machine même s'il pas fin payer le cash mais qui remplit toutes conditions que exige là et puis le rivé pour livrer la machine là puis gros dilemme là. C'est qu'on est comment et qui côté par qui moyen pour faire machine arriver dans le département nord-ouest pays d'Haïti. Et puis à force de parler de ça avec et puis me dit bon me fait de ça un objet de discussion en mettre en débat. Une tout questionner tête moi monde qui gain cob dans pays qui dit au gain cob réellement dans pays. Est-ce que c'est pas une forme de façade ou du moins est-ce que c'est peur, c'est crainte qui ça expliquer ça? Et puis n'en réfléchir parce que même économie pas pour moi, même dit que c'est la petitesse de l'économie haïtienne. Comment on monde fait porte de paix pour finir remplir toutes conditions ou la PRR pour acheter une machine en dedans ou maison
et journée jodi an pou rive nan phase pou vin prend machine nan li pa konn si pou le monter si pou le descendre ki côté le ka passer avec machine ça pou ta gen garanti effectivement yo pa prend nan men en lagan avec toute ta pia. Et puis m'a dit que mais moun kap di yo gen kòb nan peyi a contrairement avec ça nous même nous t'a pensé nous t'a imaginé le peyi a vrai son bonne pour améliorer parce que guerrier Wale Santo Domingo PRR ba konnen si nou ali bani Santiago nan an pile ville province en République Dominicaine ou est concessionnaire machine yo installer machine yo ou passer ou garder machine yo et puis pour un pays tant coup pays d'Haïti si au cap c'est Port-au-Prince pour me venir acheter une machine malgré risque gain pour me rentrer au cap avec si me porte de paix un seul petit côté c'est venir ici pour me acheter une machine m'bra calculer est-ce que m'ap capable faire quoi des bouquets est-ce que m'ap capable faire mon cabrit est-ce que m'ap passer canaran pour me rentrer avec machine ça au cap haïtien si m'la tibonite m'besoin acheter une machine et puis pourtant m'ap passer dans presque toute ville province république dominicaine gen concessionnaire et m'ap mandé que est-ce que c'est la petitesse de l'économie haïtienne ou du moins est-ce que c'est moun qui dit qu'ap investi qui gen kobio qui sans coutia dans état ça donc me questionner tête moi est-ce que ça a pas déjà dérangé et c'est là tout me questionner moi ba nous pour me dire que qui intérêt réellement parce que nous tendez ça en pile pour classe d'affaires là ta gagné dans insécurité galopante qui gagne dans pays là est-ce que yo c'est scorpion kap pike prop tèt yo est-ce que y a chita sou y a sié branche yo chita ou du moins est-ce que yo gon l'autre source de provenance ou la guerrier PRR pour yo faire l'argent parce que automatiquement matissant débloqué concessionnaire kap vann machine kap commande machine nan nan Port-au-Prince nan li gagnent espoir ou la guerrier ou la PRR pour un investisseur dans département sud-est la caille ou Jacques Mel acheter au moins 3 machines dans Mel li ta supposé espérer un investisseur dans Nip cap vin acheter un 3-4 machines dans Mel ta supposé un investisseur dans sud cap vin acheter 4 machines dans Mel mais les matissants bloqués est-ce que l'avantage li c'est la m'a questionné. Est-ce que vraiment classe d'affaires là yo involve dans insécurité hein et qui intérêt que yo gen la donne parce que insécurité en c'est deux groupes moun yo épinglé la donne et visiblement c'est classe d'affaires là et yo épinglé nous te dedans dans toute radio bien que pas jambe gen lumière fait autour des questions à fait 11 familles cap bay zam etc met pays dans situation liée deuxième groupe moun yo lume projecteur là c'est classe politique sans vergogne sans coutia mal pour ont yo qui exploiter ti monsieur avec zamyo dans propre intérêt yo mais ça me pas chita souli même questionner sous classe d'affaires là qui intérêt on est cap investir qui gain employé pour le payer pour entrer dans genre de mouvement ça et si mouvement ça bon pour lui est-ce que le fait l'argent là non l'autre côté. Est-ce que entreprise là pas vinn une entreprise de façade mais en réalité dans insécurité galopante là m'pa connait qui genre de bagaille li l'a géré l'a fait rentrer ça veut dire que m'pense au premier chef investisseur yo ta doué moun qui intéressé pour bailler un coup de main pour débloquer pays m'pa connait ça petite réflexion ça parce que ça m'y a parlé avec les fin acheter machine ni li fait tout li prend tout ça yo mandé pour le faire li fait tout parcours yo et li rive dans phase finale pour livrer le machine nan kounya li entre l'enclume et le manteau est-ce que pour le vinn prend machine nan est-ce que yo pas prendre nan men nan route comment pour le faire machine ça rentrer dans port de paix donc c'est pour regarder est-ce que situation ça c'est pas de saleté bien avant Matissan et parce que ou pas de gain Matissan ou pas de gain Canaran et ça n'a décrit là
l'été réel, ça veut dire où t'es toujours des difficultés pour soit habiter au Cap haïtien pour jouer un concessionnaire pour acheter une machine au Cap tout comme au Cap, c'est ça qui fait un pile là, élément et que nous-mêmes nous fait partie de classe A ou les classes moyennes non mm-hmm. c'est dans pépé il a pas acheté il a acheté machine mm-hmm. et leur poser question pour dire qui intègre secteur d'affaires là t'as capable bien insécurité à ses amis et tout et là autant des révélations qu'a fait c'est que bon on groupe de famille on parlait de 11 ou 12 qui mm-hmm. abvan zam yo pas jamais kabay non yo et moun sa yo al chercher ouais à côté de zam y a vendan yo fond dans secteur affaire là ou gen l'autre mm-hmm. business l'autre affaire que y a réglé donc dame situation confuse donc nous pas vraiment comprendre que comme si qui intérêt secteur ça ta cap bien pour alimenter situation parce que autant qu'on gagne un pays qui a marché et ou gen moun qui a travaille ou gagne rentrer sorti qui a fait dans pays là donc ça t'a facilité moun sa yo qui dans secteur ça yo gain plus corps mm-hmm. et puis pour yo puis bien vivre tout mais là je écoutez nous sous 10 départements géographiques en pays monsieur pour youn département ça yo pas un concessionnaire et si au besoin acheter une machine c'est seul département l'ouest là pour rentrer dans quelle capitale là pour venir acheter machine mm-hmm. voilà on a secteur privé mais dans l'état c'est pareil. Il n'y a pas besoin de faire là. C'est seul Port-au-Prince qui a besoin de faire, frère. Mm-hmm. on excède à chiffre, c'est Port-au-Prince pour venir faire. À part, il était venu avec des services dans des. On maison transférée, il était pour qu'après un nouveau yel, mais c'est Port-au-Prince pour venir faire mm-hmm. pour. Par exemple, au besoin. Certificat de police donc c'est DCPJ c'est Port-au-Prince pour venir faire ouais qu'on paquet l'autre service c'est Port-au-Prince pour venir faire ouais et là à part de on va parler là des secteurs privés lui même qui t'a donné intérêt dans décentraliser service lio même j'en gagne des market là à Port-au-Prince là seulement pas besoin yo ouais ou pas besoin yo dans province yo oui en parlant de market au moins et dans les questions concessionnelles que n'a parlé hein ça qu'arrivait vraiment que moun kap investi yo par nécessité en fonction des demandes que ou gagnen qui pas grande pour ta capable pour concessionnaire ou t'arriver dans quelques départements en dans pays a mais gon l'autre problème maquette ou soulever dans grand département tant qu'on a département nord par exemple nord ouest que des maquettes qui boutent nos maquettes l'entrée là dedans c'est des étages vides oui tu sachais bon petit boîte les toi et puis yo relé le maquette. Oui. Mais son pays a repensé définitivement. Oui. Ça veut dire son pays vierge tout hein qui gagne pile opportunité. Mais on t'a dit que monde qui gagne moyen l'argent donc il coincé dans l'esprit autour. Ah oui, c'est ça me la ouais. Ou du moins si quoi que dans fait l'argent un seul coup. Même genre même genre équipe monde là on a fait l'argent facile là c'est pareil. Yo pas prendre temps, yo pas comprendre que pour faire l'argent, il y a des pays côté monde yo connaît qu'il y a fait l'argent mais son temps. Oui. Ouais. Alors que ici, les habitants, ils savent pas, non pas quoi dans production, non pas quoi dans transformation. Ils disent, les gars, ils achètent ciment, ils achètent bah toile, ils achètent bah là, et puis ils finissent. Ok, mais passer pour le temps en usine, qu'à produire en Haïti, non, le bas d'en bas, ça. Parce que le prêt il prend pays monde ouais c'est pour ça on est plus fait acheter tout oui gaz de bail qu'a fait pendant la transformation pendant la production pas le prend risque alors t'as parlé de Saint-Domingue tant que et gagne et pas prêt le faire citer bien ça parce que là les sous marché à tout où joindre compagnie Santo Domingo ou joindre Santiago ou joindre Bani ça veut dire c'est pas compagnie qui a produit Santo Domingo dans capitale là qui potait bien là Boca Chica donc je veux dire presque chaque ville et en République dominicaine ou entreprise présidente qui a produit oui. Oui. Non, coincé, non, pas quoi, tout. Tout le bagage centralisé, Port-au-Prince. Ah oui, pas qu'un bagage au besoin, c'est là pour venir faire. Son dossier pour approfondir davantage, pas de toi, mon gars, il est obligé de camper machine, yo, na packing, yo, qui gagne 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui besoin de faire service. Machine, yo, t'acheter dans la maison. Et en fonction de positionnement, yo, c'est dans la maison pour venir avec lui. Pour venir faire service. Et pas qu'un côté pour y passer, pour venir faire service là. Oui. Parce que quelqu'un qui a expliqué, qui a écrit avec moi, qui dit, et c'est dans son auto l'acheter machine. Rendez-vous service si c'est dans son auto. Il dit, Bob, qui côté pour me passer, pour plus ou moins
t'as une inquiétude d'esprit pour me dans son auto pour mal faire service ça et puis pour me tenir la caille. Bon, ben, ou pas dit. Tu sais que, ou bon besoin de machine ou aller dans le concessionnaire qui est là. Et puis, ou est machine, ou pas prendre non? Non, mais commandez pour commander. Vous achetez machine pour vous. Son machine, elle achète pour vous. Vous faites intérêt et puis vous faites commande là pour vous. Ça veut dire que machine ou est dans l'exposition, elle vient mettre les. Et on go mon gars vient prendre. Elle a encore son autre tête chargée. Et puis c'est ça, Mme Dolor. Ou elle bani, moi-même m'a passé. Ou elle garde bani. L'on garde concessionnaire bani. Ou elle machine, yo, c'est comme si c'est dans douane nan de côté. Machine à la file indienne, ranger machine. Sans y rentrer, faire choix machine, nou, rempli condition achat, qui déposite ou elle fait, combien pourcentage là. Et puis, yo tout en dedans, yo gon connexion. Avec service après les assurances, soit mettre assurance sur machine ou etc. Quand on chita, tout bagay ou régler. Tout bagay ou régler. Et puis un agent ou elle paraît là, non, bus, ou bien sous moto, casquette, nan, yon nan tête yo, et ça yon les protections, et puis yon vin régler bagay là, si un papier, et puis voilà machine ou. Souma qui grave, oui monsieur. Pour moun dou que l'acheton machine maison, qui poko gen un an depuis l'acheter, les rivés sous phase service, t'es obligé de camper machine ça pour machine ne pas craser. Parce que le pas qu'on est-ce que pour le faire la Saline, est-ce que pour le faire Carrefour Aviation, est-ce que pour le faire Delma 2, qui côté pour le faire pour la maison, pour la faire service là? Negladou, ligon machine sous notre nom, dis qui côté pour le faire vrai? Pour la sous auto, pour la faire machine ça, pour la faire service machine ça, avec toute quiétude d'esprit pour l'entrée, pour le faire service là, et puis pour le prendre machine ça encore pour l'entrée la Kaili. Il m'a dit qui route ou t'as conseillé pour le faire. Donc c'est finalement son pays fermé. En d'accord, avec son pays fermé. Donc si nous prenons exemple ça, pour secteur privé, nègre privé, il connaît ses travails, il travaille dur, l'acheton machine maison. Donc c'est vrai que il y a des parcours, la limité, yo. En fonction des gens insécurité en vigné en guerrier et puis yeux braqué sous nèg qui sous belle machine la limite pas cool là mais on nèg qui dans l'état qui comprend de l'en pouge l'état nan men la rouler et puis li pa gen possibilité dans gens situation ayé pour la faire service ou a saisi ouais mon machine un an et puis craser nan men nèg la pour question service ou a saisi ouais ça et qui est-ce qui va le payer conséquence là madame la marquise l'état vache laitière là Et offre aussi en fonction de demande yo et ça dit que si pas gagner on marché ou bien de monde qui a sollicité et ou bien qui a fait demande pour produit yo, ou pas joindre produit yo disponible et c'est ça que moi c'est qui expliquer et le fait que ou pas gagner assez de concessionnaires dans pays a et même dans Port-au-Prince là et gon illusion pour ne pas faire tête nous on dit que moun qui gagne machine y a vendre concessionnaire yo clientèle yo c'est l'état c'est organisation internationale yo pas c'est soit le prêt anti enquête c'est son capital là oui c'est dit pas moun vraiment qui va acheter machine et la caillou c'est de institution de l'état il prend 20 ouais tant que tu prends pour la police machine ça fin craser coulia intervention yon auditrice avisée qui partageait une réflexion avec nous il dit que dans un moment côté pour acheter un grain figon grain banane dans Port-au-Prince c'était chargé gen des côtés bagay yo a pourri a gaspiller li expliquèm que gen un moun k ap pale avèl ki tal nan marché du 6 et la kayou et PPR sa moun nan di l'an fè le crier jan wè moun grand gou la nan kapital lan machan yo vini avec yam banan manioc zaboka patate yo pa ka vann yo rete a terre même cadeau yo pa ka fè cadeau nan jou nan tout moun genyen pas gen madame Sarah pas gen moun ki vin acheter et ki kote y a passé avec yo yo vin pote pou ça et puis ou a acheté un mousso yam $50 $60 ou a acheté 3 graines banane yo rele banane miske ki pa même fin rek même pour 150 gout et puis là nan ville province nan paysan a pote yo papile pa ma konti nan marché a yo kite yo a pou ça pa indigné taper autorité nous yo sous nerf yo pour yo di bagay la pa ka rete comme ça hein monsieur non et ou gon gen des bagay ki n'te gagne pendant si m'ta vle retourner dans question production yo crasé ouais longtemps te gagne ciment d'Haïti et ou te gagne menoterie
ça presque pas existé encore. Sinon, ils ont peut-être fait venir ciment et puis ils mettent le dans sac. Mm-hmm. Ouais, mais nous pas produit, nous, et puis nous pas créatif tout. Hein? Il n'a pas plan. Et l'État fixé prix galon, on n'a pas plan. Il pas qu'à venir pas là deux à 20 pour dire ma foi, je 20 gallons, moi et non, on va mettre $20 en plus sur chaque gallon. Il pas qu'à faire ça parce que mon côté m'a porté plein pour lui. Mm-hmm. Ça le compte toujours quand peut jam. Salcon. Salcon, c'est consommateur. Oui, il y a des gens qui sont victimes de mauvais produits, des produits et des gens qui font marché noir, etc. Donc, à côté, il y a un bureau là, dans le Maslin. Je ne sais pas presque t'en parler de Falcon a toujours, Salcon a toujours marché, PRR. Salcon, c'est Yvener, nous pas connaît. Oui, Yvener Foster Joseph. Pas connaît. Peut-être non, mais Yvener. Parce que nous, faut qu'on compte pour y aller plaire. Faut qu'on compte pour y aller crier. Pour y aller pour te crier. Parce que la situation n'est pas carrée comme ça. Donc, nous obligeons de gourmer, monsieur, pour ça, pour ne pas mettre dans la liste de bagailles que nous avons dans le temps dans le pays à faire question pompe gasoline pas exister encore. Et nous, Mijamé, bonjour. Au besoin, Koulia, jusqu'à 125 gouttes pour $1. Et les plus, dans le marché informel là. Donc, ça qui écrit ça, Banque Centrale, bah, là. Les mêmes pis bas, oui, mais au besoin plus que ça. Et c'est tout ça qui agit sous cherté de la via et nos Germain. Mais alors là on a parlé pour produits qui importé yo, mais par contre produits yo consommés dans la tête pays d'Haïti yo vin cher tout. Est-ce que ça a gain pour avec situation générale pays a en termes de insécurité et tout ça là, et tout l'autre ça ne connaît yo. Et avant répondre Enomi, 125 goud audiam par contre qui est pour on gain pour chou qui t'a fort joindre. Gagne un volume quoi pour besoin là. C'est 140 goud, oui. 140 goud, oui. Il y a faut payer. 125 goud, gagne un capitaine de la capre l'eau là. T'as le droit pour téléphone, on craser là pour monde qui besoin quoi pour ta faire rejoindre à 125 goud. Et nomi Germain, bonjour. Alors bonjour Bob, bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier. Et m'a salué tous tes auditeurs auditrices, son plaisir justement pour Macno. Effectivement Bob, jodi a pas gagné pratiquement aucune possibilité pour que ou joigne et on dollar à 125 gouttes sur le marché. C'est vrai que nous parlons de jodi a, mais qui te dit que c'est depuis autour du mois de juin, moi parler avec des importateurs, pas les importateurs en général, ils ont besoin de dollars pour importer, et que ils ont montré moins des messages, des échanges soulevés avec des acteurs sur le marché. Qui était déjà à autour de 130 gouttes pour un dollar américain. Je t'ai acheté dollar à 130 gouttes pour un dollar américain. Hier soir, moi parlé avec un autre importateur, lui dit que si me gagne monde qui gagne dollar 130 gouttes pour un dollar américain, me connaît l'a acheté parce que au fait, apparemment, il y a des acteurs qui commençaient déjà à venir à autour de 135-140 gouttes pour un dollar américain. Et le problème, c'est ça nous connaît, hein, c'est que je dis à sur le marché formel, c'est-à-dire qu'en bis formel, les banques, par exemple, ils ont pas de dollars américains, mais si vous avez besoin de dollars, son seul côté pour aller c'est bon là, oui. C'est pratiquement la même situation avec à gaz. Là. Pour pas de gaz, mais tout autour de pompes, il y a gaz. Il y a gaz. Donc, c'est-à-dire c'est des anomalies. Donc, son économie, côté que c'est l'informel. Pas oublier, non, ATA, c'est l'informel. Moun kap vend dollars, bon là, oui, c'est l'informel. Donc, son économie kap informalisé davantage. Souvlez sous regard tout chef là et absolument en quelle action pas poser. Maintenant, bon, tourner à la question Pierre Wenel là. Eh bien, Pierre Wenel, ça qui passe, c'est que, et où qu'on est déjà, son économie cap déstructuré chaque jour par rapport à un ensemble de problèmes qui gagnent dans le pays. D'abord, pas oublier, économie a un ensemble de problèmes structurels depuis longtemps que pas jamais abordé, ou pas qu'à expliquer la situation dollar là. Par situation taux de change, donc, mais tout y a un ensemble d'éléments conjoncturels, crise politique, situation de sécurité, côté que pays a bloqué, pays a pris en otage. C'est comme si Dado ou non pays, côté que tout le monde dans situation d'assignation à résidence. Avocat ou Piconza, ça a eu assignation à résidence, ça a eu pour la CAO. Eh bien, justement, c'est la situation de l'économie, c'est la situation de tout le monde. C'est, je dis, on a parlé de kidnapping, on a parlé de insécurité. Je dis, c'est pas seulement le monde qui est kidnappé, l'économie est kidnappée également. L'économie est kidnappée parce que, je t'ai expliqué dans l'introduction à Pierre Wenel, son économie ne peut pas fonctionner en plein rendement.
économie n'a pas fonctionné en plein régime parce que ou sous tabdil et jodi a dans le monde c'est que les économies ont fonctionné 24 heures sur 24 alors que jodi en Haïti ou pas même qu'après chose sauter à 6 heures du matin c'est peut-être autour de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi l'économie fonctionne et après tu rentres chez toi dans situation comme ça on juste prend un secteur dans l'économie on juste prend par exemple et l'industrie touristique on juste prend les restaurants par exemple les restaurants en général yo fonctionné et soit à tout côté pratiquement dans monde là on va prendre compte par exemple en France c'est autour de midi en pile monde à manger avec justement après travail c'est-à-dire 4 heures 5 heures jusqu'à peut-être X du matin mais le problème c'est que jodi en Haïti un restaurant pas fouti fait quantité de revenus qu'il t'a fait étant donné que et à partir de 6 heures de l'après-midi, tout le monde entre la caillou. Donc, industrie, ça, l'est effondré. Là, on a parlé de l'effondré sous gâteau de IHSIO. On va prendre en compte que le secteur touristique, là, en Haïti, il y a 3 années de suite, côté que c'est baisse des activités, c'est récession. C'est-à-dire, c'est baisse après baisse des activités. Je dis à l'âme, parce que c'est un secteur qui est beaucoup plus en difficulté. On parle de secteur, ça, mais nous, t'es capable de toute économie, hein. 3 années, nous autres passés là, yo. C'est 3 années côté que l'économie en fait croissance négative. Gardez pour ouais, IHSI toujours soutient les comptes économiques. Gain soulevé en général trois éléments. IHSI explique qui fait que l'économie en fait croissance négative. D'abord, situation d'insécurité liée aux troubles sociaux là d'ailleurs insécurité avec kidnapping au premier rang. Deuxièmement, c'est crise politique. Et troisièmement, on peut prendre en compte que le pays a pris soit pour un cyclone, ou bien par exemple, en 2021, il prend un tremblement de terre. Moi, Léo, l'étoile à rond de l'économie en Haïti. Bob, qu'on l'a bien, l'étoile à rond de l'économie en Haïti. C'est l'étoile à rond, ça, en général, c'est lui qui a pris l'économie en otage. Mais si nous avons Léo 3, nous avons catégorisé en 2. Catastrophe naturelle ou bien catastrophe humaine. En général, c'est catastrophe humaine nous qui bloque l'économie. Insécurité nous va gérer. Crise politique nous produit. Et bien donc c'est yo pratiquement qui mettez nous là. Je vous mettre garde histoire longue c'est trois bagages ça vous mettez nous dans ça. Et ben malheureusement c'est nous-mêmes encore qui créé. Avant et nous aller toujours dans ça qui rapport avec dollar l'ange et la viande et nos mi. Moi, je t'aimerais que, comme on est, comme on jeune chercheur également, ou à fouiller, ou à puiser, aider auditoire Grand Boulevard, là, qu'on est, chiffre d'affaires, banoul, et, m'ka qu'on n'a pas besoin de chiffre là exact, parce que, négio, et souvent, yo fonctionné, on tigeant, fermé, pas de transparence, et vraiment, c'est son économie informelle, et nég qui dit yo gen l'argent yo, na déclaration yo, tout en négio, c'est évasion fiscale, yo pas de détails yo clair, vin jouen jan corruption, yé, na DGI, etc. Donc, la difficile pour journal, qu'on est. Dis-nous, à combien ou évaluer chiffre d'affaires nèg qui dit au gain cob dans la coupe d'Haïti, investisseur nèg cap investi, concessionnaire etc. À combien ou capable évaluer chiffre d'affaires yo parce que nous t'a réfléchi sur ça matin hein. Gen un ami qui achète une machine port de paix, li fait toute saleté gain pour le faire, li rive dans phase pour livrer le machine là. Chaque jour le les maisons demain tantôt yo dit le machine n'a pas ré pour venir prendre machine là li dit me li pas connait qui côté pour le faire pour venir prendre Prado pour la porte de paix pour pas prendre dans mail et puis là l'au Albani ou a regardé concessionnaire yo et nan bani ou quantité machine yo ou aller grand pile l'autre côté en République dominicaine ou passer ou prendre machine ou exposer sans difficulté. Donc, dis-nous, ban nou approximatif chiffre d'affaires, moun ki di yo gen kòb k'ap investi nan pays d'Haïti. Ah oui, bon. Et gros problème nan, je sou souligne la bob, c'est que je dis à pratiquement toute entreprise en Haïti gen au moins 2 cahiers. C'est-à-dire 2 cahiers pour yon mettre état financier. On cahier pour l'État, on cahier pour yon. On cahier pour l'État qui, en tout cas, gon souvle et côté que chiffre yon moins. Alors ce cas est pas un chiffre normal là. Il est difficile voire impossible Bob pour ta prendre une entreprise pour jouer un chiffre d'affaires les puisque son pays côté que information pas communiqué. Par exemple aux États-Unis d'Amérique ou cap garder n'importe monde là, n'importe sénateur, député ou gros homme d'affaires, n'importe quoi entreprise,
ou garder groupe à tourant combien cob l'a touché qui chiffre d'affaires entreprise là puisque on publie chaque année. Mm-hmm. C'est des pays qui gagnent transparence. Okay. Je dis par exemple, c'est vrai que nous disons pas qu'être monde gagne cob en Haïti, mais combien cob yo gagne, pas gagne absolument aucun monde qui connaît. C'est-à-dire son pays côté que pas gagne information sur monde yo du tout. Entreprise yo, c'est pratiquement même bagaille, c'est pour ça li risqué en général bob pour bail des chiffres sous gens à fonctionner. Mais comme on parlait de machines, ça me garde, c'est que pour une idée tout simplement de question machine neuf là en Haïti, chiffre dit bob chaque année il y a 4000 machines neuf qui vendent. Ouais, qu'est-ce qui achète machine neuf en général, c'est l'État. L'État encore. Mm-hmm. C'est-à-dire que population pas gagne capacité. Non, économie pauvre bob ça qui en général, dans économie pauvre yo, c'est l'État qui fait entrepreneur fait comme. Parce que c'est l'État qui go acheter. Par exemple, même que on vend machine, on vend chaise, c'est l'État qui achète plus chaise dans mon pour mettre dans business. C'est alors pour le mettre dans ministère, pour le mettre dans direction générale, pour le mettre tout côté en une fois chaise. Non, mais faut que vous précisez pour Mounio, dans majorité et dans majorité qu'à côté l'État pour acheter machine dans mes concessionnaires yo, pourtant c'est l'argent l'État encore qui commande machine yo, qui achète machine, li pour réacheter dans mes concessionnaires. Non seulement problème ça pose Bob, l'autre problème qui pose encore Bob, c'est qu'en général, quand l'État achète, tout le monde connaît, c'est avec de la surfacturation. C'est-à-dire que si bien 25 gouttes, l'État obligé de payer 20-25 gouttes, parce que au fait, le négociateur, mon cap négocier pour l'État, qui bénéficie, qui est comme balle. Et deuxièmement, comme l'État va payer à temps, justement, il a tout fait l'État payer le retard. Mais ça me devait faire sauter Bob, c'est que même sauter ces 4000 machines neuves qui vendent en Haïti par année, République dominicaine vend environ 40 000. 10 fois plus. Donc, sous tant de entreprises a bien fonctionné en Haïti, dites tout entre guillemets. Donc, mon yon a fonctionné, yon dit yon gen kob, mais écoutez, c'est parce que justement, yon pas en façon économique plein kob. D'ailleurs, richesse pays a par année, pour tout pays a sale produit par année, sous gade année 2021, bon, chiffre yon dit gen, c'est environ 8 milliards de dollars américains. République Dominicaine, c'est 86 milliards de dollars américains, n'a pas les deux PIB. Autrement dit, et pays a justement son pays qui n'a pas de revenus. Là, on dit Haïti son pays pauvre, là, ce n'est pas un mot en l'air. C'est que Haïti pauvre et Haïti, c'est les plus pauvres parmi les plus pauvres. Je dis, là, dans le monde, Haïti fait partie vraiment des pays les plus pauvres du monde. Donc, malheureusement, c'est dans la situation ça ne fait. Et justement, là, dans la situation ça bob, c'est que mon gien kobio, n'a pas de chiffre d'affaires, n'a pas de revenus mon yo, n'a pas de sablant, les net worth mon yo. Je dis, là, n'importe monde aux États-Unis ou mettre un téléphone ou qui combien comme Elon Musk gagne combien comme Fami Obama gagne combien comme tout le monde on connaît mais on connaît Enomi c'est vraiment grave si on est là dans Santiago Bani en République Dominicaine n'importe étudiant en économie la privé dans Santiago y a deal moun kap investi dans Santiago a mais chiffre d'affaires mais quantité l'argent kap brasser dans Santiago oui alors que pour nous non pays côté économie anémie dans état ça pour étudiant en économie nou yo pour pas capable faire al chercher cause dans parce que tu as supposé des cas d'études pour ka konn ki chiffre d'affaires investisseur yo dans société yo. Combien ont été investi telle année? Combien ont investi? Combien ont rentré? Perte yo, côte cause perte yo. Qui côté on va faire amélioration? Et bien c'est pour nous fonctionner dans l'informel, pour pas grand monde qui connaît combien cob nèg qui dit yo gen cob yo a brassé dans l'économie haïtienne. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Depuis mon économie a fonctionné comme ça, bon, on va besoin loin, on va chercher information sur un ensemble de bus d'entrepreneurs ou bien d'entreprises ou pas qu'à joindre dit être économie en pleine corruption. Eh bien, c'est situation d'Haïti. C'est corruption. Parce que ça crée Bob. C'est que même chef nous y a pratiquement. Gardez un rapport FJKL, Fondation J'éclairé, qui fait sortir. Pas gagner ça a relé déclaration de patrimoine. On suppose que vous dites qu'un entrepreneur Jodia, il a gagné par exemple 5 millions de dollars américains. Non, année qu'a vu nous, il a 25 millions de dollars américains alors que l'entreprise n'a pas fait bénéfice. Le sort des questions pour poser. Mais maintenant, pour ne pas poser des questions, ou tout pas gagner information du tout. Je dis à FJKL, dans le monde qui est dans l'État, dans monsieur Dami qui est dans l'État, dans ce qui est 100% va faire déclaration et patrimoine, non? C'est-à-dire que tu es entré ou pas même gagner un yen, ou tu es évidemment dans. Et que pas connaît, non, il se passe justement côté que c'est pas gros bagaille, alors que lorsque tu es caillé. Ou bien c'est caille, mais pas qu'une déclaration de patrimoine. C'est même gens, acteurs, secteur privé, a fonctionné. C'est-à-dire que le pays n'a pas de transparence. Il y a un ensemble de pratiques corruptives dans le pays. Et des pratiques corruptives, justement, soit des informations sur revenus,
ou pral dit que écoutez c'est tel acte ou bien tel mécanisme de corruption qui met en place qui fait acteur à riche, eh bien ou pas poser question du tout, les informations ne sont pas publiées et ça c'est malheureux, ça non seulement pour Kassabo mais oui. Si t'as pral plus loin par exemple quand on une entreprise Bob qui pas publié état financier, il pas publié bilan, il pas publié état de résultat, tout élément yo. Ça, ça fait, c'est que moi-même, comme capitaliste, pas ouvert, bon, capitaliste ouvert, v'lait dit ça, capital ouvert, v'lait dit ça. Je dis à Bob, ou qu'à abvivre aux États-Unis, ou décider d'investir dans Facebook, ou décider d'investir dans Google, dans Amazon. Mais pour investir là-dedans, Bob, ou juste à regarder pour est-ce que l'entreprise a marché? Pour qu'on essaie le marché, c'est l'état financier, c'est document ça, pour qu'on essaie le marché. Et pour monter ou acheter action, ou acheter, ou aller sous ça, ou les stock market, là, ou acheter action. Mais là, nous, pays, par exemple, pas gagner quelle information sur l'entreprise, pour qu'on dise, marché prix, si pas marché prix. Eh bien, justement, pas acheter action. Et l'autre problème qui posait encore, nous avons parlé de corruption, là, peut-être plus, aller beaucoup plus loin. Ça qui vient dans le pays, là, ou pour qu'on jamais monter dans des espaces, notamment dans Petionville, pour un ensemble d'entreprises, ou ensemble de stores, il n'y a pas de monde qui là-dedans du tout, mais c'est chaque mois, c'est chaque semaine qu'on sac l'argent qu'elle met la banque. C'est des entreprises miroirs. Il y a des entreprises miroirs pour faire des blanchiments des avoirs. De façade. Justement. Pour faire des blanchiments des avoirs. Blanchiment avoir, c'est que origine Cobla, comme Cobla peut-être sorti en côté ou pas qu'à expliquer, eh bien, ou mettez ou déposez Cobla sur nos entreprises là. On va parler avec des acteurs justement, puis une fois qu'on a un secteur bancaire là, qui explique qu'il y a des éléments, on va comprendre que ça. C'est pas sans raison, non, Gafik, c'est risque de mettre Haïti sous liste noire là. C'est qu'il y a bataille contre blanchiment des avoirs, il y a bataille contre financement terrorisme, en Haïti nous voyons un terrorisme, ça c'est l'autre bagaille, mais comme dit quand même. Mais il n'y a pas contre côté Cobla, sorti en général, il y a troublé. Donc, comme il est troublé, il dit à Haïti, écoutez, il y a un ensemble de mouvements pour faire. Donc, Haïti, à la fois, dans blanchiment des avoirs, mais quand l'autre fait nous mettre, il y a un noircissement des avoirs. Noircissement des avoirs, là. Blanchiment des avoirs, c'est origine comme l'on va expliquer, oui. Côté l'argent sorti. Mais noircissement, c'est que, comme là, on va côté l'aller. C'est-à-dire destination comme là. Donc, blanchiment, c'est origine comme là. Noircissement, c'est destination. Comme là, la bagarre, quel monde dit on peut comme là aller, c'est garder nous, elle garder, elle disparaît. C'est même j'abat les partis politiques là. Aujourd'hui, là, dans le monde, par exemple, il y a des contraintes sur le financement parti politique. L'on est quand a fait campagne, Bob. Et Macron, par exemple, s'il a fait campagne, bon, quantité comme au monde qui a baillé Macron. On va pas décider pour contour ou le vent. Quantité comme ou baillé Macron et pour faire le pipo, ou faire le gain plus chance pour le gain qui ont l'autre candidat. Parce qu'il faut encourager justement la compétition. En Haïti, par exemple, on est fait campagne électorale, garder les doux, les dépenser 5 millions de dollars dans la campagne électorale. Mais il va falloir du côté comme là. Alors, où est-ce qu'il y a des acteurs qui sont comme la financer parti politique, ou qu'il doit même prendre des mounes Saint-Domingue, des compagnies Saint-Domingue, ou sur les actes dans la dernière élection, il y a financé parti politique, par exemple. Mais tout le monde sait qu'il y a financé parti politique. L'État n'a pas qu'à retracer le monde pour comprendre si ça fait comme bio. Est-ce que comme yo, et c'est consommer ou consommer, est-ce qu'on investit de l'autre côté ou bien sont l'autre monde n'a pas encouragé? Est-ce que c'est des candidats justement à mettre sous terre? Mais candidats, ça on va oublier. Non, leur finance, c'est candidat comme ça, c'est contre négocier. C'est vraiment malheureux. Début, nous disons, et voilà, ma propre place, c'est justement au contrat haute mando, contrat courant mando, c'est contrat tel bagage. Donc, et tout fait d'Oven Zao parce que pays a. Pas de transparence, pas de monde qui a un tribun, fait pas pour mes communes. Ok, manque de transparence là. Parce que, je dis, nous avons conséquences contrebande là, sous l'économie haïtienne là. C'est comme si son économie en banqueroute, état financier yo, inexistant, ou dit la caille moun sa yo, l'on allait, yo gen de caille. On caille pour l'état, on caille pour la famille. Donc, fraude fiscale. Yo dans l'informel absolu, journée jodi an, dis-nous Enomi Germain pour jeunes qui étudient économie, qui attend des journal le matin, unité principale de la monnaie d'un pays. Parler jeune yo de li importance li dans une société qui a développé économiquement. Bon, oui, bon, là on a parlé dans capanoa de la goud haïtienne. Ça que fait, c'est que le premier élément que groupe qui très aimé, c'est que on monnaie, c'est on unité identitaire pour un pays. C'est le représenter pays, c'est-à-dire la monnaie du pays. Donc la monnaie haïtienne, c'est la goutte, c'est l'identité du pays. Ça, c'est, si vous voulez, un premier élément, qui va forcément un élément économique. Mais maintenant, deuxième bagage de cadeau pour un monnaie, c'est que, et là, on a tout compris pour qui ça, il y a couru, il n'y a pas besoin de goutte là, encore ces dollars, besoin, malheureusement, c'est que un monnaie, Bob, il gagne en général trois fonctions. Première fonction,
c'est sur ta carrelé et ma petite troisième nan, après c'est le plus important pour nous. Première fonction, c'est ça où il est unité de compte. Mais ça où il est unité de compte, l'en Bob. C'est que autrefois, les papiers monnaie, pour besoin en cahier Bob, faut jouer au monde justement qui gagne en l'autre bien, qui troque cahier avant. Ça où il est noté nos économies de trop, nous t'as fait trop. C'est comme si nous avons un supposé qu'on micro. Mais micro gagne en Bob. Mais son cahier au besoin. Au besoin d'acheter un cahier, mais son micro gain au possédé. Mais son cahier au besoin. Besoin cahier pour petit tout, etc. Mais quand on a besoin de cahier pour petit tout, il faut que je monde, justement, qui gagne cahier, mais on a balle son gain qui c'est micro. Donc ça te pose problème. C'est-à-dire que on paquet faut joindre, comme si nous on monde qui n'est pas là-bas, là, c'est trop fastidieux, c'est fatigant. Donc nous sommes dans trois cas là. Nous sommes dans trois cas, mais justement, monnaie a permis que nous pas besoin de ça encore. Seule monnaie a gain. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses, etc. Ça a la première fonction de monnaie, unité de compte. Mais deuxième fonction, c'est ce qu'on a carré les réserves de valeur. Et réserves de valeur, on a pour élaborer sur lui, puisque c'est important. Réserves de valeur, bon, je dis que, je dis à Simien Digout, moi, mettez la banque. Quantité comme, quantité bien avec service, quantité marchandise, Digout, là, tu as permis de m'acheter, je dis à Simien Serrel. Après demain, il faut qu'on permette de m'acheter même quand c'était bien encore. Ça veut dire qu'il permet de réserver valeur. Ça veut dire que il permet moi, comme si Mdado, 10 gouttes de l'anjodien là, il te permet de m'acheter un plat à l'équin par exemple, bon, baptiste ça pour préparer l'an moui, mais en 10 gouttes de l'an, il te permet de m'acheter un surette. Mais après deux mois, si mettre comme moi la banque, il faut 10 gouttes de l'an qui a toujours permet de m'acheter surette. Mais il se trouve que, comme gouttes de l'an plaide perdu valeur par rapport à dollar là, gouttes de l'an pas qu'à permettre de m'acheter surette là encore après 3 jours, après 3 mois. Parce que Goudla n'a pas réservé de la valeur, Goudla a perdu valeur, comme l'a perdu valeur. Bob, tout est agent économique par définition, il dit que c'est des gens qui sont rationnels. Les gens qui sont rationnels, c'est des gens qui toujours chercher pour une décision pour vous tête. Eh bien, les gens disent que, ah, bah écoute ça, il n'y a pas réserve de valeur encore. Eh bien, semblez ces dollars pour nous gagner. Comme les gens disent, Goudla n'a pas réserve de valeur encore, ils ont constaté ces dollars pour nous gagner. Tout le monde a marché chercher dollars. Je dis à la Bob, environ 70% comme qui déposent la banque en Haïti, c'est en dollars déposés. On a parlé là, pas oublié, nous, on a parlé de unité monnaie en pays. Eh bien, dans le pays, il y a 70% comme qui déposent la banque, c'est en dollars déposés. Vous comprenez ça, ça veut dire? Nous avons tourné Dubaï Goudla. Nous avons tourné Dubaï Goudla pour une seule raison, parce que Goudla n'a pas joué rôle réserve de valeur encore. Comme Goudla n'a pas réservé valeur, nous avons cherché dollars. Mais c'est comme tout le monde a cherché dollars, on a fait pression sur dollars. On a besoin de dollars, on a besoin de good. C'est comme si dollars viennent super stable. Comme dollars super stable, good n'a pas d'importance encore. Mais dollars prend valeur. Donc son facteur justement dans l'augmentation taux de change là, c'est on redemande sur dollars là pour nous altérer la banque. C'est ça, on relève demande du dollar pour motif justement de précaution. On nous dit que comme good n'a pas de valeur, bien moi-même m'acheter dollars, c'est répito. Parce que si je serais dollar qui a réservé valeur, a dit qui ça bon. Si tu as 20 dollars dans mon jour, 20 dollars dans mon lan, ou tu serais là-bas, vous dire que tu as 20 dollars là ou qu'un bel. Mais après 3 mois, 20 dollars, ça va prendre acheter le jour, il y a un certain nombre de gouttes, mais après 3 mois, il y a plus de gouttes possible. Donc, Ethereum, ce n'est pas serrer gouttes, c'est serrer dollars plutôt. Donc, moun yon perdu confiance dans dollar là. Pas oublier, on monnaie bon, mais ça fait monnaie. On va parler de ton pays. Ou t'es capable on mousse au papier par exemple papier tant moi faire journal là yo il est le monnaie oui mais seul bagaille qui vous faire il est le monnaie faut qu'on y ait confiance là-dedans c'est-à-dire qu'on ensemble d'autorité qui bail garantie qui dit que ouais ça c'est lique monnaie c'est lique monnaie ou qu'à l'acheter avec elle et bien justement moun yo pas fait c'est-à-dire moun yo qui confiance là-dedans et bien le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que moun yo pas une confiance dans goud là encore donc nous censés justement dans situation côté que et éléments ça nous sont dit qui sont éléments identitaires pour pays moun yo pas malheureusement pas une confiance là-dedans et c'est à cause d'un ensemble d'autres facteurs moi même qu'à parler là écoutez c'est très mal lorsque justement à chaque fois c'est ça d'avoir expliqué mais évidemment moun yo pas une confiance dans goud là encore et comme yo pas une confiance son facteur qui fait toi augmenter tout à l'heure comme on t'a posé une question comme l'autre élément fait toi monter. Je dis à tous sur le marché international, il faut tout souligner ça, c'est que dollars font en pile sur le marché international là. Semaine dernière, nous tendez, et c'est la première fois depuis 2002, on dollar égal à 1 euro. Ça veut dire dollar fort. Comme dollar fort, contre toute monnaie qui fait euro, on se bat les paniers de monnaie fort. Donc, contre tout panier de monnaie fort dans le monde là, dollar extrêmement fort. Pas besoin de parler contre un goud qui va même des forces du tout, qui va gâter mes têtes. Et bien, donc,
Donc, l'on a une situation comme ça, côté que tu as plein de montées, plein de montées, eh bien, Bob, pour finir, m'a dit que identité ça, identité monétaire ça, souveraineté monétaire ça, on va parler de l'IA, son bagage que on a perdu chaque jour levé. C'est comme si je dis, on le veut perdre, on passe dans cette souveraineté ça, de mon le veut perdu, etc., etc., jusqu'à ce que peut-être on revienne dans sa monnaie, on aurait les oreilles bourrées là, malheureusement. Donc, il y a eu un pile pression qu'a fait sous dollar là, mais pas mis pression ça, yo. On a des kidnappings dans tout, étant donné le Mounio a cherché l'argent pour libérer Prochio, c'est un dollar yo bail. Est-ce que vous pensez que ça les gains pourraient avec augmentation dollar là, je dis à son marché? Bon, le kidnapping c'est l'économie noire, c'est ça où est l'économie noire là. C'est-à-dire que l'argent ça yo, on va prendre côté aller. C'est-à-dire, bon, ouais, t'as l'air de parler de noircissement des avoirs. L'argent qui n'a pas de bagage, quel monde qui va l'utiliser, quel monde qui va destination l'argent, ça, pratiquement. Maintenant, évidemment, moi, je pense que ça, c'est vraiment opinion. Moi, je pense que, recherche fou que Mounio a fait, ou bien les kidnappés, les victimes de kidnapping, recherche qu'il a fait pour rejoindre dollar, pour payer rançon, par exemple, je pense que son facteur, et véritablement qui est contribué à augmenter pression. Parce que ça crée à kidnapping, je dis à kidnapping par un acte isolé, c'est-à-dire que ce n'est pas rétorité. Par exemple, aux États-Unis, il y a du kidnapping, oui. Ou on écrit là, autrefois aux États-Unis, sous téléphone, et puis on monte, on dit que, on met à l'aide, bon, on a kidnappé là, mais son acte isolé. C'est-à-dire que pendant un mois, on peut peut-être tendre au cas, et au plus, donc son acte isolé. Mais le problème de la kidnapping là, en Haïti, c'est que nous sommes dans une situation de kidnapping de masse. Mon va me dit ça, mais on est dans une situation de kidnapping de masse. On paye pendant un mois, quand on a kidnappé 600 personnes, c'est kidnapping de masse. Donc on a aussi kidnapping de masse. Comme on a kidnapping de masse, eh bien, on masse ça, chercher dollars pour payer kidnappeur. Comme on cherche dollars, eh bien, living comme Sintakado, on masse critique qui fait pression sur le marché. Donc moi, je pense que, écoutez, utilisation de dollars là, c'est peut-être un facteur, c'est peut-être, hein, j'ai bien dit, parce que ce n'est pas documenté, c'est peut-être justement un facteur qui contribue à faire augmenter le taux de change, malheureusement. Mais là, le kidnapping, nous prenons ça, mais si on prend le kidnapping comme phénomène social, comme phénomène de sécurité, là, il n'y a absolument rien d'autre que justement, kidnapping, comme il contribue justement à un environnement plus pas vivable, plus pas rien à faire, eh bien, normalement, kidnapping contribue à détériorer l'économie, donc, a fait que indicateur taux de change ça li rougir cadeau que écoutez situation sociale n'a vive là ou pas qu'à démarquer de ça n'a vive en matière de change en Haïti. Donc tout trouble ça problème sur taux de change, c'est pour ça moi toujours dire c'est que et soit aller par exemple au niveau de la Banque de la République d'Haïti, Banque Centrale. On rend compte que la majorité des cadres de Banque Centrale aussi sont plus forts, et c'est des cadres qui étaient cadres dans la Banque Centrale de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont compétents. Le ministère des Finances, c'est pratiquement même bagarre là. Mais le bon environnement comme ça, pas dans quel génie ou après là, qu'il n'y a pas de résultat. C'est pour ça qu'on économise la vie. Pour nous, Enomi Germain. Par toute société. C'est ton plaisir, oui, Enomi Germain. Plaisir là, c'est pour moi. En tout cas, merci Pierre Winel. Première fois à parler aujourd'hui matin là, justement, c'est Pierre Winel qui est le vieux d'Andobi pour poser mon ensemble de questions. Merci en pile. Il y a eu des milliers d'attendants. Très beau, Bob. Merci, ça fait plaisir, Bob. Que bien là. D'accord. Nous, c'est Journal Tout Pays. Chenet Pierre dit Journal là, chaud couvert et dans Ottawa. Sur page YouTube là, nous manquons un petit crasse pour 17 000. Facebook, un petit crasse pour nous prendre 10 000. Merci en pile, Chenet Pierre. C'est toujours comme ça. Il fait 6h49 dans le matin. Nous même nous pas venir dire ça tout mon a venir bail après charger tête monde nous entrer dans réalité a non problème non parce que prétexte ça faut que nous te prendre matin pour nous te voir dans qui état économie haïtienne non tout dadal dio économie en badé et nèg qui dit gen cob dans pays a nèg yo sous bluff nèg pas capable soin franchement et donc c'est belle bagarre le recevoir intellectuel qui t'a l'école qui parti famille l'attend des journal là ah ouais c'est connecté à le cachon côté. Eh, tant que moun fouye, même l'île beaucoup connu. Ou ane bien, formation si la ben vous y fait le cadeau. Abvin di moun ou reo pa gen niveau nan ki sa. Ça fait que dans le domaine peut-être ou di ouye, si m'a fait débat avec ou, c'est chan ou, m'a pas rentré la donne. Mais ça maîtrise, m'a pas accepté ou m'a menti la donne tout. Donc, moun fou sa yo toujours comprendre et pour y a bêtisé avec moun. Donc, bravo, Enomi Germain, vous fait preuve ou comme un intellectuel, di belo, et puis que pas t'al perd du temps, qu'à l'apprendre pour vine. Et des pays ou et des sociétés ou. C'est ça compétence là. Sagesse égale compétence. Donc, depuis mon à bout d'argument, depuis Katouche l'est fini,
c'est jouer pour le tomber dans jouer ou peut elle qu'elle prépare ni poisson ni parce qu'elle pas rien en même comme argument. Donc éviter bon monde fou dans journal ça mais je ne vois sinon. Donc situation économique là et nous t'ab gardé les yon l'année hein après premier ministre Ariel Henry prend tête pays a une situation qui catastrophique et économiste saute montrer nous ça mais pas seulement situation économique là situation sociale situation politique pays a paraît autant catastrophique puisque demain là n'a pas rappelé à marquer yon l'année depuis docteur Ariel Henry prend tête l'état comme chef gouvernement il était remplacé Claude Joseph yon première réaction Serge Jean-Louis décrit un bilan catastrophique gouvernement monocéphale ça qui gagne en tête li Ariel Henry insécurité kidnapping grand goût c'est tout ça yo qui caractérisait mandat yon l'année Ariel Henry d'après Serge Jean-Louis qui encourageait population pour lever campé. Serge Jean-Louis est dans le micro. Lydie Alexandre Paul McKinley Augustin. Jeudi à 19 juillet, donc à la veille du 20 juillet, période, si vous voulez, date de vestiture des exécutifs monocéphales dirigés par Dr. Ariel Henry, qui était prend naissance à partir d'ensuite Madame Hélène Lalime, qui est une pire diplomate que les Haïtiens n'ont jamais rencontré dans la ville. Et que nous-mêmes, nous prenons responsabilité de nous qualifier comme racistes. Alors, en principe, je dis, c'est à nous avons dit, pour nous faire un rappel du bilan de un an de gouvernement de facto. Un an de régime monocéphale. Je rappelle tout ce que nous avons fait. Bilan déjà, nous avons dit, bilan catastrophique sous toute la vie. Et nous n'avons pas des explications pour te justifier des machins. Je dis, nous présents devant la presse là. Un moment très difficile. Côté peuple haïtien a traversé dans l'histoire. Pour le monde qui a l'âge, parce que peuple a beaucoup jamais dans une situation difficile comme ça. Il y a un élément qui a ravagé pour nous tous connaître. C'est une question de kidnapping. Qui fait partie de l'insécurité généralisée, une sécurité étatique, qui traversait toutes les couches. Alors, nous cas comme ça. Gagner plusieurs interventions pour le fait là. Et comme nous sommes démocrates, général, éprouvés par des circonstances, c'est des gens qui font expérience, qui défendent des valeurs démocratiques. Et comme démocrates, nous avons accepté le principe. Nous avons chita sur table pour nous négocier, même si ce n'est pas facile par rapport à la conviction de pouvoir ça. Nous faisons concession, nous manifester bonne volonté, bonne foi pour nous accompagner les peuples haïtiens dans le cadre de la résolution durable, RISDA, si. Négociation à permettre crise de la résoudre. Donc, c'est à sous table négociation. De l'autre côté, nous n'avons pas quitté l'autre machin. Question mobilisation populaire, mobilisation citoyenne, que nous avons toujours assimilé à une espèce de soulèvement populaire. Et nous toujours rappelé dans toute histoire pays, ça de 87, à aujourd'hui, tout acquis démocratique, peuple haïtien joigne, c'est à partir de mouvements de mobilisation. Nous avons continué à encourager mouvements de mobilisation, hein, parce que une société qui vit, au derrière, va fonctionner. Citoyens, citoyennes, par carité pour voir quoi Serge Jean-Louis.